Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Noviscar. Présentation des papiers officiels du véhicule. Présentation des papiers officieux du véhicule et des objets indispensables à la préparation de votre voyage. Je l'ai eu. Salut à tous. Donc vous l'avez compris, là on va essayer de lister tous les documents officiels, officieux et puis surtout les objets qui me sont indispensables lorsque je vais voyager quoi. Donc il va falloir faire une bonne DAQ. Vous vous souvenez, dans les premières vidéos on en avait déjà parlé, une DAQ, une démarche pour l'amélioration de la qualité. Alors c'est quoi? C'est lorsque je vais faire un voyage plus ou moins long, hein, c'est même pour aller travailler, il va falloir se dire, faut pas que j'oublie ça, il me faut ça dans la voiture, il me faut ça aussi, et puis s'il m'arrive ça, il va me falloir ça. Alors évidemment, on va pas transporter la maison, une caravane avec plein de trucs à l'intérieur, hein, mais déjà se préserver de certains mauvais pas, exemple, je vais dire en plein hiver. Il n'y a pas si longtemps, moi j'ai le souvenir aux informations, il parlait de la Nationale 118 au sud de Paris, la neige était tombée d'un seul coup, enfin bref, tout le monde s'était fait piéger. Et à côté de ça, eh bien, on entendait à la télé les gens qui étaient bloqués dans leur bagnole, qui étaient voués un petit peu à eux-mêmes, en disant on nous a même pas amené à bouffer, on a eu froid toute la nuit, je suis tombé en panne de carburant, enfin bref. Mais si on avait eu la présence d'esprit de prévoir certaines choses dans son coffre, peut-être que ces trucs-là, ça ne serait peut-être pas arrivé. Dans les documents officiels, déjà, ce n'est pas compliqué. On l'a tous dans notre portefeuille. C'est forcément, le permis de conduire, évidemment avec un maximum de points, quoi. Une fois que j'ai plus de permis, j'ai plus de permis, mais... Donc si j'ai plus de permis, normalement, je suis censé ne plus pouvoir conduire. Mais dans mon portefeuille, j'ai toujours, dans les documents officiels à avoir, mon permis de conduire. Il me faut la police d'assurance, le papier vert, en cours de validité. Donc j'ai la grande souche dans mon portefeuille. Mais j'ai aussi la vignette, toujours valide, dans les mêmes dates, hein. Immatriculation, évidemment, les dates de validité sur le pare-brise. Et dans les documents officiels, il va me falloir la vignette du contrôle technique qui, lui aussi, ce fameux contrôle technique, doit être valide. Il est daté, ce truc-là, hein, et il dure 2 ans. D'accord ? Enfin, il faut être aussi en possession de la carte grise du véhicule que je suis en train de conduire. Alors les cartes grises photocopiées, ça fonctionne pas, hein. Donc c'est vraiment l'original de la carte grise, hein, qui correspond bien au véhicule. Alors, numéro de série, numéro d'immatriculation, et attention, il faut que la carte grise soit aussi à l'adresse de domiciliation du conducteur. Il faut que tous les papiers soient en règle, quoi. Donc lorsque je déménage, il faut se renseigner parce que entre mon ancienne adresse et la nouvelle adresse, j'ai plein de papiers à réactualiser, et notamment la carte grise du véhicule, quoi. La carte grise, je réitère, elle doit être en possession du conducteur, et surtout il doit être notifié l'adresse de domiciliation du conducteur. Bon, une fois qu'on a listé
tous les documents, donc on a dit les documents officiels à avoir, les documents officieux, des trucs qui seraient bons quand même d'avoir dans son véhicule, et puis après il y a les petits plus, quoi, on va dire. C'est simplement pour avoir du confort lors de mon voyage, pour éviter d'être un petit peu dans l'embarras, quoi. Donc on va lister tout ça. Je vais mettre une petite table là, et puis j'ai commencé déjà à sortir moi ce que j'avais dans la boîte à gants, et puis on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est, quoi. Bon, ce qu'il est bon d'avoir, enfin moi je l'ai dans la boîte à gants, c'est déjà le procès verbal du contrôle technique. Vous allez me dire ça sert à rien puisque j'ai la vignette. Oui, mais il est probable qu'un jour ou l'autre, ma vignette par exemple se détériore. Il y a de la condensation à l'intérieur de la voiture, mais ça ce serait pas normal. Le papier il est devenu illisible. J'ai le procès verbal. De mon contrôle technique. Évidemment, il me faut les gilets jaunes de signalisation au cas où j'aurais besoin de m'arrêter sur le bas-côté de la route. Il est bien évident que dans le coffre, j'ai le triangle de signalisation que je dois mettre, je vous rappelle, à 100 mètres en arrière de mon véhicule. Il doit être fluorescent. Et il y a une référence que l'on verra tout à l'heure, on prendra tout ça en photo. Donc, le ou les gilets jaunes. Donc moi, j'en ai un dans la boîte à gants et j'en ai trois autres dans le coffre. Notez bien que pour bien faire, il m'en faudrait quand même un quatrième dans le coffre parce que parfois, dans la voiture, on navigue, on est cinq. Alors pour les voitures, 7 places. Il faut 7 gilets, hein, parce que le jour où je dois sécuriser toute ma petite famille, il faut que les choses soient bien claires. Bon, ça, les gilets jaunes, ça coûte rien. Hein. Franchement, à Intermarché, 2 euros, hein, donc ça va bien. Donc, on va bien ranger tout ça. Les gilets, voilà. Il me faut des jeux d'ampoule propres à mon véhicule. À côté de ça aussi, il me faut des éthylotests. Est-ce que les voies ça peut servir? Alors, trêve de plaisanterie. Autant ils étaient obligatoires jusqu'à 2020, maintenant ça ne l'est plus. Mais moi perso, quand je vais faire la chouille avec des copains, je suis bien content d'avoir un éthylotest pour voir si je peux conduire ou non. Parce que même si on prend que un mojito et puis un verre de vin rouge, ça y est, hein, je suis torpillé. Aux yeux de la loi, je vais conduire de façon illégale, quoi. Donc un éthylotest, ça peut être sympa. Les constats à l'amiable. Petit coup de pub pour mon pote Sylvain que je salue d'ailleurs à Gisors. Groupama avec des constats à l'amiable. Bon, moi j'en ai deux, d'accord, et évidemment à l'intérieur les numéros de téléphone qui vont bien si des fois je tombe en panne et que j'arrive pas à m'en sortir, ou au pire si je cartonne, quoi. Donc ça, pour rappeler les assurances, c'est pas mal. Il me faut évidemment le livret d'utilisation de la voiture et évidemment son carnet de suivi avec les factures qui se trouvent à l'intérieur, sans oublier le petit livret de l'autoradio avec le code que moi j'ai bien marqué en gros et en rouge, quoi, parce que trop souvent on s'embête à chercher les codes, mais où est-ce que j'ai mis ça, on a perdu le papier, on a perdu la petite carte, et c'est les emmerdes qui démarrent, quoi. Donc le livret d'utilisation, le livret de suivi du véhicule et le code de l'autoradio. Bon, crise sanitaire oblige, il me faut des masques médicaux. Donc ça, les masques comme ça en boîte de 50, j'ai commandé ça sur Amazon, 4 balles, les 50 masques. Bon, franchement, on va pas se ruiner. Et évidemment, dans la foulée, il me faut du gel hydroalcoolique. Les masques, je vous rappelle, toutes les 4 heures, ce serait bien quand même d'en changer.
Le gel hydroalcoolique, bah, je me mets ça dans les vide-poches. Et puis au moins, quand je vais faire mes cours, je reviens, je porte mes paquets cadeaux. Enfin, mes paquets cadeaux, ça y est, je suis parti dans Noël. Je porte mes cabas de course. Bah, forcément, je me nettoie les mains, quoi. Quand je voyage, même si maintenant les stations-service des autoroutes sont devenues hyper propres, bah parfois j'ai des envies qui font que je ne peux pas aller dans une station-service. Donc je vais dans une aire simplement de repos où bah, il n'y a pas de station-service, donc il n'y a rien. Il y a simplement des toilettes, mais seulement là-dedans, bah, parfois il n'y a pas de PQ, quoi. Donc si je veux du papier hygiénique, dans la boîte à gants, toujours un rouleau de papier toilette. Là-dessus, bah, j'ai toujours une, deux, trois. Alors ça, ce sont des couvertures de survie. C'est bien évident que si je cartonne, ma bagnole peut être sur le toit, je ne peux plus être à l'intérieur de mon véhicule. Donc si j'attends les secours à l'extérieur et que je me pèle, bah, couverture de survie, déjà, c'est pas mal. Alors déjà pour moi, mais aussi lorsque je constate un accident, bah, il faut aussi penser aux autres, quoi. D'accord ? Donc à côté de ça, je mets un bémol. Les gens qui sont secouristes du travail. J'étais secouriste du travail, mais ça, ce petit papier qu'on nous donne, il est valable sur le lieu de travail. Or, si j'essaye de sauver quelqu'un et que malheureusement je fais une grosse connerie, bah, l'autre partie peut se retourner contre moi, quoi. Bon, à côté de ça, je l'enveloppe dans une ceinture, dans une couverture de survie. Bon, à la limite, c'est relativement simple à faire, quoi. Pour les petits bobos, lorsque je vais à la plage, lorsque je vais me promener, je peux très bien m'enfoncer quelque chose dans la plante du pied. Je peux très bien me couper avec une feuille, une fougère, ou même mon couteau lorsque je suis en train de tailler un morceau de bois pour une raison quelconque. Hein. Bon, bah, une petite trousse de secours, simplement avec des pansements, de quoi désinfecter, de quoi se bander, franchement, ça, c'est pas mal non plus. Évidemment, le disque de stationnement. Lorsque je voyage, bah, je pense à avoir l'adaptateur de l'allume-cigare pour pouvoir brancher différents cordons des gens qui vont être avec moi. Est-ce que tout le monde a un iPhone, un Samsung? Bon, bah, si déjà les gens peuvent avoir au moins la possibilité de charger la voiture. Sur ce style de véhicule, j'ai 4 prises, 4 allume-cigares avec des prises USB. Bon, bah, lorsqu'on voyage, bah, tout le monde peut écouter de la musique avec ses oreillettes, regarder un petit bout de film, allumer la tablette, mais il faut qu'il y ait de l'électricité, quoi. Donc pensez à avoir des cordons. Voilà. Ensuite, même si là-dessus, évidemment, il y a le GPS de série, hein, bon, j'ai toujours un petit appareil qui me sert avec une ventouse à mettre ça sur le carreau, le pare-brise intérieur de la voiture. On met un téléphone, ça peut servir pour mettre Waze par exemple, ou avoir un itinéraire, alors que je veux toujours garder justement le GPS à l'écran de la voiture, quoi. Ensuite, pensez à avoir une petite pièce de monnaie de 1 euro. C'est pas idiot lorsque je vais faire mes courses. Alors évidemment, dans le coffre, je vais avoir des cabas que je mets sous le tapis de sol. Hein. Allez, on va dire, quand on fait des courses, 2 sacs, c'est le minimum. Donc, une pièce de 1 euro ou un jeton qui va bien, quoi. On en parlait dans la voiture, un petit couteau, ça peut toujours servir lorsque je commence à préparer un casse-croûte, lorsque je veux ouvrir quelque chose qui est difficile simplement à main nue, quoi. Donc, on découpe la boîte, hein, on enlève le Shatterton qui est trop dur, voilà. Donc, et ça peut aussi servir à plein de petites choses dans la voiture, quoi, ou lorsque je veux essayer de me dépanner. Bon, moi j'ai toujours une petite peau de chamois bleue, hein, lorsque évidemment on est en train de casser la croûte, on met des miettes de pain partout. Bon, alors, je suis pas maniaque de ma voiture,
Mais j'aime bien que ma voiture soit propre, quoi. Comme à la maison, quoi. Quand on est chez soi, on vit pas dans une porcherie. Dans la voiture, c'est pareil, quoi. Donc, petite chiffonnette. J'ai de quoi noter, un petit carnet. On ne sait jamais, prendre des notes sur quelque chose que je veux visiter. Quelqu'un qui se gare vraiment trop près de moi, bah, je vais noter son numéro minéralogique. Comme ça, au moins, si une fois que je reviens de faire mes courses, j'ai une grande éraflure sur ma voiture, de la même couleur. Parfois, je prends même la photo de la bagnole qui est garée vraiment à côté de moi. Parce que je me dis, quelqu'un qui se gare à ça de ma portière, à mon avis, il va se passer quelque chose, quoi. Donc, je préfère être prévoyant et au moins les choses sont bien claires. Évidemment, une petite raclette pour l'hiver. Bon, alors moi, dans les Landes, c'est vrai que je suis assez peinard de ce côté-là. Cet hiver, j'ai eu simplement 2 jours où il y a eu de la gelée blanche qui s'est installée sur la voiture. Et encore, moi, quand je sors, il est 10h, 10h30. Donc autant dire que tout ça, ça a fondu, quoi. Mais lorsque on va au sport d'hiver, bah, penser à avoir une raquette, ce serait pas mal aussi de mettre dans le coffre un jeu de chaîne. Et dans la boîte à gants, bah, des petits sacs en plastique, simplement pour mettre les mains si j'ai quelque chose justement à... comment à utiliser qui serait vraiment très très sale, quoi. Donc bon, ça c'est en libre service dans n'importe quelle station service, hein. On se sert du gasoil, on met plein les mains, ça sent mauvais, enfin voilà, quoi. Enfin, moi j'ai ça dans la boîte à gants, ça prend pas de place et franchement on peut se sortir d'un mauvais pas avec ça. Bon, lorsqu'on voyage, forcément il faut prévoir un petit peu de l'alimentation, hein, ça dépend de la longueur du voyage et surtout là où on va. Mais lorsque j'habitais en Normandie et que je faisais la navette pour aller dans les Landes, bon, bah, c'est vrai, s'arrêter sur une aire de repos, aller acheter de l'alimentation ou carrément aller dans une petite chaîne de restauration rapide, aller à l'extérieur, manger sur un banc, on était au soleil, bon, bah, c'était sympa, quoi. Bon, ben maintenant aussi, quand je voyage en plein hiver, c'est pas à l'extérieur que je vais manger, quoi. Et puis bien souvent, on préfère s'arrêter, on va dans les toilettes, on fait son petit bisou, et puis voilà, quoi, on mange, comme on dit, sur le coude. Mais ben, les mains sont grasses, j'ai besoin de me moucher. Bon, ben là, il nous faut aussi du papier absorbant, quoi. D'accord, donc papier absorbant, il nous faut aussi... bah, de quoi s'hydrater, parce que même si on a la clim là-dedans, il nous faut aussi quand même boire, parce que, et il faut boire avant d'avoir soif, quoi. Donc lorsque je voyage avec ma femme, bon, bah, on prend une bouteille ou 2 bouteilles, on boit au goulot parce qu'on se connaît et tout va bien, quoi. Maintenant, quand je voyage avec des gens de la famille, mais qui sont, je veux dire, normal, hein, crise sanitaire oblige, bah, des fois il nous faut prendre aussi des gobelets, d'accord. Il y a des porte-gobelets maintenant sur les voitures modernes, il y a des tablettes, il y a tout ce qu'on veut, on pose la bouteille et puis ça permet à chacun de pouvoir boire de l'eau. Alors ça peut être de l'eau plate, ça peut être de l'eau pétillante, ce que l'on veut, quoi. Alors évidemment, ça paraît ridicule ce que je vais te dire, mais pas d'alcool quand je conduis, quoi, même une bière, hein. Il suffit de se faire arrêter juste après et bim, le permis il passe à la corde, quoi. Ensuite, pensez-y. Bon, moi je porte des lunettes de vue, tout simplement parce que je suis myope, mais il faut aussi penser aux lunettes de soleil. Donc pour les lunettes de vue, bah, c'est pas compliqué, hein. J'ai ma lunette que j'ai constamment sur le nez, mais j'ai aussi dans un étui une deuxième paire de lunettes. Tout simplement parce que bah, il suffit, on trébuche, on tombe, on casse un verre et voilà, je peux plus conduire, quoi. D'accord. Et évidemment, la paire de lunettes de soleil, elle est valable en plein été mais aussi en plein hiver, lorsque je pars à la neige faire une petite semaine de ski, quoi. Bon, ensuite, dans le coffre, qu'est-ce qu'on doit avoir?
dans les premières vidéos, je vous avais dit, équipez-vous, mettez quelques outils. Ça peut être un tournevis, ça peut être une pince, ça peut être un morceau de fer du Shetterton, des embouts, torx, enfin bref, quelques clés à cliquer ou peu importe. Pas besoin d'amener, pour ceux qui achètent, enfin qui commencent à acheter au détail, super. Bon, maintenant, moi j'ai fait le choix de regrouper tout ça dans une mallette en plastique. Elle m'a servi qu'une seule fois, mais en attendant, voilà quoi. Évidemment, quand je vais bricoler, il va me falloir des paires de gants avec un petit chiffon. Hein. D'ailleurs, vous voyez là-dedans, j'ai encore une pince et là-dedans, au fond, j'ai une paire de ciseaux et une sangle. Évidemment, donc là, les triangles de signalisation qui sont normés. Alors normés et pour la France. Et puis visiblement, c'était pas le même numéro de référence lorsque je vais en Espagne. Donc bon, par acquis de conscience, quand je vais en Espagne, bon, j'ai mon triangle de signalisation et à l'intérieur, j'ai encore un gilet jaune. Un sac poubelle, tout simplement parce que lorsque je mange dans la voiture, que je m'arrête sur une aire d'autoroute, et eh bien l'idée c'est que surtout il faut jamais rien balancer par la fenêtre quoi. Lorsque je vois des émissions où on voit les gars qui travaillent sur les autoroutes là, en train de ramasser des tas de détritus, mais merde, c'est pas leur boulot ça, donc ils ont autre chose à faire nettement plus important quoi. Donc je suis désolé, mais il faut un minimum de civisme, et puis bah, ces déchets, que ce soit même les mégots, quoi, je veux dire, moi j'habite dans les Landes, il y a 2 ans, on était emmerdés parce que, bah, excusez-moi du peu, mais il y a quand même des cons qui balancent leurs mégots par la fenêtre, mais il faut être neuneux, quoi. Donc l'idée, c'est les mégots, évidemment, dans le cendrier. Ah bah je peux vous montrer, moi, mes mégots. Ça, c'est-à-dire que... Et moi, là-dedans, j'ai tous mes mégots, voyez. Donc, on a dit les sacs plastiques, hein, pour éviter de tout balancer. Lorsque je fais des courses, bah, franchement, j'en ai marre de racheter constamment des sacs parce que bah, des fois, j'ai pas de tête. Et puis, je me dis... Bah, il faut encore acheter un petit cabas pour mettre les commissions à l'intérieur. Donc ça va bien. Chose importante qu'on oublie, un parapluie. C'est con à dire, mais quand je vais me promener et que je me dis bah, je peux partir de la maison, mais lorsque je vais à Biscarros, bah, il tombe des cordes, bah, je suis quand même bien content de trouver mon parapluie. Une croix de desserrage, ça vous savez pourquoi. Petit rappel, lorsque je refixe mes roues, normalement je serre mes écrous de roues à l'aide d'une clé dynamométrique. D'ailleurs, je vais vous préparer une petite vidéo sur comment on utilise cette fameuse clé, comment on la règle. Mais surtout, c'est que nous encore les gars, on a suffisamment de force pour desserrer un écrou, mais une belette qui malheureusement doit changer sa roue, si elle n'a pas sa petite croix de Saint-André là pour essayer de desserrer ses écrous, elle va être un petit peu dans la peine quoi. Donc obligé de montrer ses gambettes pour que quelqu'un s'arrête. Ah, non, ça fait pas sérieux quoi. Donc une petite croix. En période hivernale, j'ai toujours un plaid avec moi. Alors déjà, je m'en sers pour faire les pique-niques sur la plage. Alors lorsque je vais sur la dune du Pila, ça y est, on peut se faire un petit apéro dînatoire. On est cool, on observe les couchers de soleil. Mais seulement voilà, en hiver, c'est quand même bon, si je suis pris dans un bouchon,
Souvenez-vous l'épisode de la route nationale 118 au sud de Paris où les pauvres gens, ils étaient restés bloqués. Ils se sont pelés pendant une dizaine d'heures sur la nationale. Bon, bah moi, j'ai toujours un plaid et je dirais même pire. J'ai même un duvet. Alors le duvet, c'est très vieux, hein, cette histoire de duvet. Bon, à l'époque où je faisais un peu la chouille à droite à gauche, bah, je voyais bien que parfois en sortant de chez mes potes ou en sortant du restaurant, je pouvais pas prendre le volant. Quoi. Bon bah c'est pas compliqué. Je me mettais sur la plage arrière. Alors si vous décidez de dormir dans votre voiture, ne dormez pas en étant à la place du conducteur. Là vous êtes verbalisable. Alors que si je m'allonge sur la plage arrière et que je me mets dans mon duvet, eh bien, je vais être vulgaire, hein, mais je peux décuiter pendant 6 heures, je dors dans ma bagnole, et puis tout va bien. Quoi. Ensuite, si vous allez à la montagne, équipez-vous de votre jeu de chaîne. C'est pas une fois que vous êtes au pied du col que vous n'avez pas de chaîne, là vous êtes vraiment comme des glands. Quoi. Alors évidemment, après, ce qu'il faut avoir dans la voiture, c'est aussi, et ça en bon état, donc avant ça se vérifie, ça se graisse, mais tout ce qui est cric, tout ce qui est manivelle, tout ce qui est attache avec l'anneau pour le remorquage, on ne sait jamais. Mettez une bombe anti-crevaison, à défaut de changer la roue, pour gagner du temps, un petit coup de bombe anti-crevaison, et puis au moins après vous pouvez aller dans une station en toute quiétude. Quoi. Enfin, pour terminer, pour les gens qui voyagent, notamment par forte chaleur, quoi. Bon, là, j'ai sorti le gros modèle, j'en ai une plus petite, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Donc l'idée, c'est d'avoir une petite glacière. On met des bacs congelés bleus, que tout le monde connaît, hein, et au moins, non seulement je peux avoir des boissons fraîches, mon alimentation va se garder au frais. Voilà quoi. Bon, après tout, va pas dans une glacière. Hein. Il est bien évident que si j'achète des salades toutes faites, oui, ça je peux mettre ça dans ma glacière. Maintenant, j'achète des gâteaux au chocolat, à la vanille, peu importe, hein, des galettes au beurre. Ça, je laisse ça dans la voiture et ça me permet de crenouter un petit peu tranquille. Quoi. Lorsque j'ai des animaux de compagnie, il est bien évident qu'il faut aussi penser à leur bien-être, hein, d'autant plus que eux. Ils peuvent pas vraiment parler, quoi. Ils miaulent, ils aboient. J'ai mon fils qui a son perroquet. Enfin bref, les animaux, il faut aussi qu'ils voyagent dans des conditions très acceptables, hein, voire parfaites. Hein. Donc pensez à eux. Il faut aussi parfois, s'ils ne supportent pas le voyage, leur donner le cachet qui va bien, hein, contre le mal du voyage. Bon, moi, c'est pas le cas de mes chats. Hein, mais, ça ne voyage que dans les bacs de transport. Hein. Ils ont soit des sacs de transport, des caisses de voyage. Bon, il faut leur donner parfois de temps en temps quelques croquettes. Et puis surtout, il faut qu'ils boivent aussi. Hein. Évidemment, eux, ils boivent de l'eau. À mon Félix. Et beau mon chat. Donc voilà pour les petits documents officiels, officieux, des documents ou des objets que moi je préconise, tout simplement parce que je le fais. C'est vraiment des documents que je mets dans mon véhicule, que ce soit en plein été ou en plein hiver. Hein. Maintenant, c'est sûr, la liste que moi j'ai établie, hein, j'invente rien, hein. La liste que moi j'ai établie, elle n'est pas du tout limitative. Ça veut dire que peut-être que Martine va vouloir prendre autre chose. Peut-être que Ingrid, elle s'est dit, moi je ne vais pas prendre ça, par contre je vais prendre ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que en fonction des individus, la liste, elle va forcément évoluer. Quoi. En attendant, pensez à voyager dans de parfaites conditions. De sécurité, de confort, mais de confort également pour soi. Lorsque je conduis, le nettoyage du pare-brise, les niveaux sont faits,
La voiture roule parfaitement bien, les pneus sont gonflés et patati et patata. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Allez, ciao et bye.